Salut à tous, c'est Jobfire. Aujourd'hui, on se trouve dans une vidéo où nous allons faire une course casse-cou qui s'appelle 45 degrés, qui est créée par Rockstar. Oui, du coup, c'est un nouveau type de course. Et dans cette course, nous allons prendre une moto assez chelou. Du coup, c'est la Principe Diabolus Custom. J'ai pas comment dire ça. Vous pouvez me dire en commentaire la prononciation si vous voulez. Du coup, là. C'est parti, du coup nous allons commencer cette course. Du coup la petite cinématique, hein. Du coup j'ai voulu faire cette course parce que je me suis dit que les courses de Rockstar seraient assez bien quand même. Du coup voilà quoi, un petit nouveau truc, du coup c'est une moto qui ne veut pas cabrer. Bref, c'est un peu chelou mais bon, c'est pas très grave. Et là, vous avez pu voir, quand j'ai commencé à parler, qu'il y a mon nouveau logo qui a apparu en bas. Ce sera comme ça avec toutes les nouvelles vidéos. Alors, pourquoi j'ai voulu changer le logo? Parce que déjà, l'ancien, en gros, plus simplement, me saoulait. Enfin, je trouvais qu'il avait pas d'originalité, que c'était tout le temps le même. Enfin, je sais pas comment dire ça. Et du coup, j'ai voulu changer, mais en mettant une tête, quoi. Voilà. Du coup, petit indice sur mon physique dans la vraie vie, voilà. Hein. En plus, hein, ça fait plusieurs choses en même temps. Du coup, là, la course est vraiment pas mal. Hein. C'est comme toutes les courses. Ah non, j'ai cru qu'il fallait planer. Donc, voilà, hein, elle est pas mal. Là, nous faisons une grande descente. Voilà, qui est très grande. Nous passons sous un tunnel. Ah ouais, la course sous le tunnel, carrément, pas mal. Là, du coup, on est sous le tunnel. Là, on monte. Tac. Là, on plane un peu pour le kiff. C'est bon, on va planer pendant toute la course. Ça serait un peu bizarre à faire. Attends, vas-y, je plane. Voilà, comme ça, je peux vous montrer. Jumpfire, c'est planer. Voilà. Ça part un peu en... Enfin, ça part pas en steak, mais c'est pour vous prouver que je sais planer. Voilà. Petit moment bizarre de la vidéo, mais comme ça vous le saurez, hein, vous le saurez. Dites pas, Jumpfire, il est nul, il sait même pas planer et tout. Là, bon, je sais planer, au cas où, voilà. J'ai appris avec tonton Lassalle comment planer, voilà. Disons, si, hein, tonton Lassalle, il aime bien Jacques Le Pernet, hein, tu sais qu'il parle comme ça. Si vous suivez ses vidéos, n'hésitez pas à parler comme lui, c'est trop ringrand et tout, tu peux faire des blagues et tout, tu peux dire ah ouais, moi je t'ai parlé comme Jacques Le Pernet et tout. Coupe la dit à la salle et dédicace Noé, hein, parce qu'on s'est bien marré avec ça, avec des calunards avec Jacques Le Pervers. Hein. Bon, c'est un petit sujet de vidéo hein, comme ça, c'est sympathique, hein, parce que ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo comme j'ai tout changé, presque, sur ma chaîne. Du coup, voilà, c'est pour ça que je faisais cette vidéo. Bien entendu. Hein. Ah, petit ralentisseur qu'il fallait éviter. Oh là là. Bon, je l'ai évité, mais bon, voilà. Du coup, la course est facile. Hein. Bien sûr, c'est une course par Rockstar. Hein, mais elles sont pas mal, les courses de Rockstar. Elles sont même parfois mieux que celles des créateurs, des abonnés et tout. Parce que voilà, ça change un peu, quoi. Par contre, on peut pas faire de... J'ai viens d'essayer, là, à l'instant. En fait, on peut pas tourner dans le machin. La moto, elle fait un peu bizarre. Mais je voulais changer un peu de moto pour changer de la bâtie. Si je fais des courses moto, je prendrai toujours la bâtie normalement. Alors c'était pour changer un peu ça, du coup. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette moto chelou. J'ai fait une tentative de planage, hein. Fallait pas trop, hein, sinon ce sera un peu trop pour Toto Maël. Hein. Attention, hein. Du coup, là, nous montons un truc. Vas-y, là on va planer parce que j'ai envie. Et là on va redescendre. Vite! Nope! Bon, là le premier vrai respawn sur cette course. Voilà. Du coup, la course est hard. Un peu pour moi. Voilà. Donc nous allons commencer. Enfin, recommencer le comment ça s'appelle? Le truc qui part en haut là. Voilà, je sais plus le nom. Et on prend la petite piste et nous faisons la course comme tout le monde. Du coup, il y a deux tours, on est encore au premier, hein, voilà. C'est parti, je vais pas planer. Non, ah c'est bon, j'ai eu le point, yes. J'étais à deux doigts de pas avoir le point. Bon là, on va passer au deuxième tour.
Du coup, bah après, deuxième tour, allez, on fait un deuxième tour sans respawn, c'est prêt. Défi lancé, attention. Ah. Voilà, allez, allez, vas-y. Oui, on est bien, on est bien. Allez, vas-y, allez. Je sais pas pourquoi je vais faire des roues quand je sais qu'on peut pas en faire avec ce moto. Allez, cette fois, on va jamais respawn, ok, les amis. On prend aucun ralentisseur, on respawn jamais. On fait perfecto, ok. Tac, allez, allez, vas-y, on y va, on est bien là. Attention, on prend la petite descente. On prend le petit boost, tac, petit trou. Là, on fait la petite descente, on se penche comme ça pour aller encore plus vite et tout. C'est ultime, attention. Yay! Ah, du coup, là, on va passer sous le tunnel comme tout à l'heure, les amis. C'est parti, on va jamais respawn, jamais, jamais. Le respawn est notre ennemi. Nous allons pas respawn. Nous allons faire la course à la vitesse de la lumière. Jamais, ok. Ok, ok, ok. Allez, cette fois, allez, vas-y, on descend, descend. Tac, c'est bon, on est sur la route. Allez, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Oh, mais non, mais non, mais non. Je fais ma petite prière chelou en attendant, hein. Parce que pour dire que je ne vais pas respawn. Didier, je ne vais pas respawn, ok. Voilà, c'est bien comme ça. Allez, tourne, Didier, tourne. Oui. Allez, Didier. Non, désabord, Didier. Prends pas le ralentisseur qui va bientôt arriver. Didier. C'est bon, Didier. Enfin, je sais même pas s'il y avait un ralentisseur, on l'a déjà passé ou je ne sais rien. En tout cas, je sais qu'il faut pas le prendre, en tout cas. Je crois que c'est juste après les gros trucs qu'il faut tourner. Hein. C'est peut-être là. J'en sais rien. Je fais ça pour tourner. Oui, c'est la bibi. C'est bon, on les a pas pris. On est passé. On n'a pas respawn. C'est nickel. Allez, ne jamais respawn. Jamais, jamais, jamais. Ok. Allez, c'est parti. Cette fois, nous allons faire un boom sur la route. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est bien, Didier. Alors, cette fois, on va pas faire dans le looping. Un tout petit peu pour s'amuser. Mais pas énormément, hein, bien sûr. Attention, Didier. Attention, Didier. C'est bon, Didier. T'es passé. C'est bon. T'es tranquille maintenant. Donc faut juste faire petit truc. Oh, le projeté de l'air, il était projeté, Didier. C'est bon, c'est pas grave. Genre, on va battre le record du monde. Non, je veux dire, on va pas leur battre, mais on va pas le battre. Mais en tout cas, on va aller vite, Didier, ok. Allez, c'est bon. Allez, vas-y, vas-y, fonce, fonce, Didier, fonce. Joystick en avant, vite, fonce. Allez. Oui, oui, oui. Allez, vite, Didier. Bon, allez. On n'a pas battu le record du monde, mais on s'en fout. On fait la course à notre aise. Comme les tontons maéliens. Voilà, c'est bien. Ce tonton maélien course. Ok, c'est super ça, non? Alors c'est bon, allez, on monte, on monte, on monte. On se loupe pas, joystick en avant. Allez, descend. C'est bon, on est bien, on est bien, on est bien. On va pas respawn, les amis, on va pas respawn. Regardez, il reste presque plus de points. Il en reste un. And the winner is Jumpfire and Totomael. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Et moi les amis, je vous dis que... Oh, je suis au rang 9. Voilà ce que je voulais dire. Non, je rigole en fait. Eh bien les amis, je vous dis que si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner. Hein? Voilà, hein, parce que si t'aimes bien mes vidéos et que t'es pas abonné, c'est bizarre ça, hein. Voilà, et moi les amis, je vous dis quoi la vérité, je vous dis ciao ciao, and à la prochaine. Between us.